Good morgen, allez, Iden, les tutos aujourd'hui, le Nishmat. Moi, je vais vous dire, 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 je vais Ben Betera Posel Kelu Nishrat Ben Arbaim. Amar Shimon Ben Azai. Mekubal Ani Mipi Shivim Ushnaim Zaken Beyom Shoshivu Rabbi Elazar Ben Azaria Bayeshiva. Shekol Azvachim Anechalim Shenizbechu Shelo Lishman Ksherim. Ela Shelo Alu Labealim Mishum Chova. Chus Mina Pesach Umina Chatat. Velo Sif Ben Azai Ela Haola Velo Odulo Chachamim. Troisième Mishnah qui continue encore le même sujet développé dans les deux Mishnahs précédentes. C'est la dernière Mishnah sur le sujet. Après, on va commencer à aller un petit peu de l'avant. Je dis ça au cas où ça commence à devenir un petit peu pesant pour ceux qui veulent découvrir ce Vachim et qui ont l'impression que ça se répète tout le temps. Et qu'on... Ouais, il y a plusieurs sujets. Là, on va finir le troisième sujet. La troisième Mishnah qui parle à peu près du même thème, à savoir la grande règle qu'on traîne depuis le début du Perek. Tous les Korbanot que l'on a égorgé au nom d'un autre korban. D'accord ? On avait appris que si j'égorge un shlamim au nom d'un hacham, que le shlamim est quand même valide. On pourra le continuer à l'offrir, les kohanim pourront consommer sa chair même. Il y aura juste un problème, c'est que le propriétaire ne s'est peut-être pas acquitté de son devoir. S'il avait, il avait fait un neder d'apporter un shlamim, il ne s'acquitte pas de la sorte. Ça, c'était le principe qu'on avait appris. On avait appris sur cela deux exceptions. Le Khatat et le Pessah, on va mettre l'accent à présent sur le Pessah. On va rapporter plusieurs cas de figure simples. Tout d'abord, on avait appris qu'un Pessah, le Korban Pessah, dans l'après-midi du 14 Nissan, on doit l'apporter au Beth Amikdash. Après avoir apporté le Korban Tamid Shel Ben Arbaim, le sacrifice, l'holocauste quotidien de l'après-midi, une fois qu'on a fini, c'est très particulier, une fois qu'on a fini d'apporter l'holocauste de l'après-midi, tout le Ham Israël apporte son Korban Pessah. Chose qui n'existe pas, entre parenthèses, dans les autres Korbanot. Dans les autres Korbanot, on apporte toujours tous les Korbanot avant d'apporter le Olat Tamid de l'après-midi, l'holocauste de l'après-midi, quotidien journalière de l'après-midi. Et elle, normalement, l'holocauste de l'après-midi, elle ferme la journée, elle ferme la session. On a fini pour aujourd'hui. Dès qu'on a apporté ce korban, et bien spécialement pour le khatat, il faut l'égorger, pour le korban pessah, il faut l'égorger après. D'accord ? C'est quelque part, si je peux dire, c'est une manière de montrer par là qu'on est en train d'égorger pour le jour qui va venir ensuite, puisque on égorge le 14 pour la consommer le 15, le soir du Seder, à l'époque à Yerushalayim, tout le monde se retrouvait à Yerushalayim, et en famille, on mangeait le korban pessah. On referme la parenthèse sur le korban pessah, sur ce petit détail-là. Concrètement, le korban pessah, donc on l'apporte l'après-midi du 14 Nissan. On avait appris que si on égorge le Korban Pessah en se trompant, en l'apportant au nom de quelque chose d'autre, on égorge un Pessah en pensant que c'est un shlamim, alors on le rend invalide. On l'invalide. On ne s'est pas acquitté du Korban Pessah. Le propriétaire, le chef de famille, devra apporter un autre Korban à la place, parce que maintenant, celui-ci qu'on a mal égorgé, on ne jettera même pas son sang sur le misbéach, on va vite aller le sortir au Beth Adeshen. Là-bas, on sortait tous les défauts de fabrication des Korbanot, on allait les brûler au Beth Adeshen. D'accord ? Ça, c'était pour le Korban Pessah qu'on a égorgé chez Lo Lishmo. Maintenant, on avait insisté que ce dîne-là se retrouve que le 14 Nissan, uniquement l'après-midi. Par contre, le Korban Pessah passait son heure, soit on avait rapporté le cas, par exemple, du mouton qui s'était enfui. Suite à ça, on avait pris un autre mouton pour l'apporter en Korban Pessah. Et puis après, le premier mouton réapparaît. Qu'est-ce qu'on va faire de ce Korban ? Il est kadosh maintenant, on l'a sanctifié, on a dit qu'on allait l'apporter en Korban. On ne peut plus l'apporter en Korban Pessah puisqu'on a déjà apporté notre Korban Pessah. Qu'est-ce qu'on fait avec lui ? Ben rien de grave, on laisse passer la date du 14 Nissan. On l'apportera pendant Chol HaMoed Pessah en tant que Shlamim Obet Amigdash. On l'égorgera en tant que Shlamim, on jettera son sang comme un Shlamim. Et puis ensuite, on le consommera en famille, de la bonne viande pour Chol HaMoed Pessah, Kol HaKavod, il n'y a aucun problème, à tout moment de l'année, on peut l'apporter. On avait appris donc que le Korban Pessah, en dehors de du moment où on est imposé d'apporter le Korban Pessah prend un statut de Shlamim. En l'occurrence, si on égorge ensuite le Shlamim au nom de quelque chose d'autre, on s'acquitte de son devoir. Le Korban est kasher, puisque c'est plus un Korban Pessah.
D'accord ? Donc on se retrouve finalement avec ce Korban Pessah qui a une double personnalité, si on peut dire. Pendant le 14 Nissan et l'après-midi du 14, c'est un Korban Pessah. En dehors du Korban Pessah, il redevient un Shlamim. D'où la question maintenant. Le matin du 14 Nissan, on ne peut pas encore apporter le Korban Pessah. C'est une Mishnah Mefarshet dans Psachim, que si on égorge le Korban Pessah depuis le matin, on ne sait pas acquitter. Il faut nécessairement, la Torah d'insister sur Ben Ha'arbaim, dans l'après-midi du 14 Nissan. De ce fait, question. Si j'égorge le 14 Nissan, un Korban Pessah, mais au nom d'un Shlamim, est-il kasher, consommable, parce que c'est un Shlamim, puisque ce n'est pas encore le moment d'apporter un Korban Pessah? Ou plutôt, parce qu'on va dire non, si on est le 14 Nissan, le 14 Nissan, le Pessah, il a déjà un statut de Pessah. Donc on peut ni l'apporter le matin, on peut ni l'apporter en tant que Pessah, parce que ce n'est pas le moment, mais ni en Shlamim, parce qu'aujourd'hui, le Korban Pessah, il a un statut de Korban Pessah. Ce Korban schizophrène qui a une double personnalité, le 14 Nissan, il s'appelle un Korban Pessah. D'accord ? C'est là la problématique de la Mishnah. Il y a deux avis sur la question. A Pessah, Sheshchato, Beshacharit, Be'arba'asar, Shelo Lishmo. Le Korban Pessah que l'on a égorgé le matin du 14, Shelo Lishmo, pas en son nom, en tant que Shlamim. Rabbi Yoshua, Marchir, Kelo Nishrat, Beshlosha Asar. Rabbi Yoshua le rend kacher, consommable. Et on continuera de verser son sang sur le misbéach, Keilu Nishrat Bishlosha Asar. Au même titre, si on l'avait égorgé, le 13 Nissan, si on s'est trompé, on a porté un Korban Pessah. On pensait que c'était un Shlamim, on l'a porté le 13 Nissan, on l'a égorgé. On pourra le consommer, puisque le 13 Nissan, le Korban Pessah n'est pas un Pessah, c'est un Shlamim. Donc on pourra l'égorger en tant que Shlamim et le consommer. Donc au même titre, le 14 Nissan le matin, c'est comme si on connaissait le 13 Nissan. Ben Betera Posel Keilu Nishrat Ben Arbaim. Selon Ben Betera, il le rend invalide au même titre qu'on l'avait égorgé durant l'après-midi du 14 Nissan. Ben Arbaim, c'est durant l'après-midi. Ben Arbaim, ça veut dire entre les deux couchers du soleil. C'est-à-dire depuis le midi solaire, le soleil commence à entamer son couchage. Il commence à se diriger vers l'ouest pour aller se coucher. Donc là, c'est le début du couchage. La fin du couchage, c'est lorsque le soleil disparaît, c'est la shkia. D'accord ? En tout cas, donc Ben Betera Posel qui est le Nishrat Ben Arbaim, Ben Betera le considère qu'il est invalide parce que le 14 Nissan, le Korban Pessah, il a un nom de Korban Pessah, même si ce n'est pas encore l'heure où on peut l'égorger. D'accord ? On a fini la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah maintenant, on va revoir Shimon Ben Azaï qui va témoigner au nom de 72 Zkenim. D'accord, il va témoigner au nom de 72 Zkenim, au nom du grand Sanhedrin. On expliquera ensuite les circonstances dans lesquelles, pourquoi il s'est retrouvé là-bas à témoigner. En tout cas, il a une massoret, une transmission de 72 Talmidei Chachamim, que une petite correction sur la première Mishnah. On va le lire tout de suite dans les mots, et on va insister sur le mot qu'il a ajouté. Il faut rappeler la première phrase de la Mishnah de Zvachim, c'était « Kol HaZvachim Shinizbechu Shelo Lishman » Là, il va rajouter le mot en nous disant il a rajouté un petit mot qui va faire la différence, comme ce que la Mishnah va nous expliquer. Ben Beterap, ici, excusez-moi. Amar Shimon Ben Azaï. Shimon Ben Azaï rapporte un témoignage. Mekubal ani mipi shivim ushnaim zaken. J'ai une transmission au nom de 72 sages, Zkenim, les vieux sages, les sages d'Israël, ils s'appellent les Zaken. Beyom Shoshivu Rabbi Elazar ben Azaria ba Yeshiva. Le fameux jour où Rabbi Elazar ben Azaria a été nommé en tant que Rosh Sanhedrin. Il y a toute une histoire, pourquoi ils ont exclu Rabban Gamliel, ils ont fait entrer Rabbi Elazar ben Azaria à sa place. C'est la fameuse, dans la Haggadah, on mentionne Rabbi Elazar ben Azaria, Rani Kemen Shivim Shana. Là-bas, on ne va pas trop arranger sur le sujet, sinon ça fait un contre long. En tout cas, il y avait un jour où on a décidé d'éradier, de faire sortir Rabban Gamliel, qui était trop strict, et de mettre à sa place, en tant que tête du Sanhedrin, Rabbi Elazar ben Azaria. Ce jour-là, en tout cas, les 12 sages ont donné une halakha qui a été unanimement approuvée, en disant que quoi ? Ils ont dit sur la Maseret Zvachim, « Shekol HaZvachim Anechalim, Shenizbechu Shelo Lishman Kshirim » On apprenait la règle de la Mishnah qui nous disait tous les sacrifices que l'on égorge
au nom de quelque chose d'autre, ils sont kshérim, à l'exception du Khatat et du Pessah. Shimon ben Azaï, il est venu, il a témoigné. Non, c'est tous les korbanot consommables que l'on a égorgés au nom d'un autre korban qui sont kshérim, à l'exception du Khatat ou du Pessah. Qu'est-ce qu'il a rajouté ben Azaï en ajoutant ce mot consommable? Il est venu nous rajouter Velo Osif ben Azaï el Ha'ola. Il n'a ajouté dans sa phrase ben Azaï que d'exclure le korban Ola. Vélo, doulou, chachamim, chachamim ne l'ont pas reconnu. C'est-à-dire, j'explique un petit peu mieux. On avait appris pour le moment qu'il y avait deux exceptions à la règle. Lorsque j'égorge un korban au nom de quelque chose d'autre, je m'acquitte. C'est-à-dire, le korban est consommable. Il est valide, il est consommable. À deux exceptions, le khatat et le hacham. Ben Azaï vient nous dire, ben non, sache que même le korban Ola, si on l'égorge au nom de quelque chose d'autre, j'avais un korban Ola et je l'ai égorgé en tant que hacham, eh bien, lui aussi, il a été invalide. On ne s'est pas acquitté. Il faut tout interrompre, vite le sortir, remettre à des chaînes. Pourquoi? Parce que la règle ne nous disait pas que tous les corbanotes qu'on a égorgés au nom de quelque chose d'autre sont chérim. Mais la règle nous disait tous les corbanotes consommables. Tous les corbanotes, on peut tous les consommer. Ils sont tous mangeables, tantôt par les kohanim spécifiquement, tantôt même par le propriétaire qui l'amène, il récupère certaines parts, il donne une part au Kohanim, pour les Shlamim en général, eh ben, il y a un korban qui est entièrement offert à Hachem, c'est le korban Ola, d'où son nom, il monte, c'est l'Holocauste, on le donne entièrement à Hachem, et lui, dans ce cas-là, si on l'a égorgé au nom de quelque chose d'autre, eh ben, il sera invalide, c'est ce que Ben Azaï est venu ajouter, et la Mishnah conclut en nous disant « Velo hodulo chachamim » Chachamim n'ont pas été d'accord avec lui, il n'y a rien à faire, tu témoignes, mais nous on a une autre transmission, donc on se fonde sur ce que l'on a, et donc le korban Ola qu'on a égorgé au nom de quelqu'un d'autre, sera quand même kasher, et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.